Ici, vous avez 4 socles. Vous les avez tous bien vus ? Oui. Maintenant, pour exposer, imaginez, on a eu un concours. On a appelé des artistes à fabriquer un socle pour une pince à linge afin de l'exposer dans un musée. Qui aurait gagné le concours, à votre avis ? Lequel ? Celui-là. Ah, vous hésitez entre celui-là et celui-là. Expliquez-moi pourquoi. Parce que les deux sont beaux. Madame, alors pourquoi ils sont beaux? Parce qu'il y a des motifs qui sont bien travaillés. Parce qu'ils sont bien travaillés, d'accord. Quoi d'autre aussi? Bon, ils sont bien travaillés. Mais par exemple, celui-ci, bien travaillé, il serait très intéressant aussi. Ouais. Vous voyez? Si. Maintenant, alors, pourquoi on choisirait l'un des deux? Artistique. Pourquoi on choisit pas celui-là? Oui, c'est artistique, c'est bien, c'est artistique. Pourquoi c'est artistique? Parce qu'il y a plus de choses. Il y a plus de choses. C'est-à-dire, est-ce que tu peux l'exprimer? Alors, les détails sont mieux travaillés. Pourquoi celui-là, on ne le choisit pas? Trop simple, d'accord. Alors qu'on vous a demandé de faire un socle artistique extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, celui-là? Il est très grand. Déjà par la taille. Et du coup, la pince à linge, elle est penchée, la pince à linge, elle apparaît penchée. Et le fait que le socle soit énorme, qu'est-ce que ça fait par rapport à la pince à linge? Ça tient. Oui, mais ça fait autre chose. Ça la rend encore plus importante. La dimension imposante de socle, du socle ici, qui est ici, rend la pince à linge plus imposante. Mais maintenant, si vous aviez fait un tout petit socle, la pince à linge... Par exemple, imaginez, on coupe ça ici. Le socle, il est tout bas. On met la pince à linge par-dessus. Ça peut tomber. Bon, ma question, je l'abandonne parce qu'il faut qu'on ait l'exemple concret. Donc, qu'est-ce qu'on retient pour exposer dans le musée? Que ça soit artistique, que la forme soit un peu compliquée, que ça soit bien travaillé, que ça sorte de l'ordinaire. Par rapport à celui-là. Bon, bah, vous avez répondu. Lequel des quatre, finalement, vous choisissez? Celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vraiment de particulier? Grand, de plus, la taille? À cause de la taille? Non, parce que c'est bien travaillé. Regardez comment sont accrochées les trois pinces à linge, là. C'est différent. Et celle-là, elle est penchée, elle est en suspens. Donc, c'est vrai que ça nous interroge beaucoup.